de témoignages Support TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Support TV. L'heure des témoignages sur Support TV. Suivons ensemble. Sans mélange. Je m'appelle Gbedi Pierre. Je viens de Redo. Le Dieu sait que a opéré un grand miracle dans ma vie. Et je vais dire brièvement trois parmi ces témoignages. Je vais revenir plus tard pour le reste. La première chose qu'il a faite pour moi, quelque chose me dérangeait maintenant de cela 17 ans. A dit, à force, une masse qui circule dans mon pied et quand ça veut commencer, ça commence à partir de 0h. Et à cause de cette douleur, je n'arrivais pas à bien dormir. J'ai tout fait en vain. Jeudi passé, mes wa prière fio. Le jeudi passé, le deuxième jour du réveil. On dit John allez mais don. J'étais assis dans l'allée là-bas. Papa rode gona miro de hoel. Papa donnait les requêtes, nous étions en train de prier. Et wa ti dile non do ko ridi je bon de non do titan si melan bon bia e kun ma me don. C'est comme si quelqu'un était à genoux et quelque chose sortait de son genou et rentrait sous la terre. Quand il commet on a porté à mion non si so. En ce temps-là, mon pied gauche tremblait. Depuis ce jour jusqu'à présent, je n'ai plus ressenti cette douleur dans mon sommeil. Après 17 ans de souffrance. Et quand c'est ouvert, nous pouvons apporter nos couilles. Le Dieu sait que sa main l'a libéré. Mon second témoignage. On dit que si tu as la honte, tu iras prendre une maladie qui n'est pas destinée. Pour moi, ce n'est pas une honte. Peut-être que cela est déjà arrivé à quelqu'un. Je suis quelqu'un qui a souvent d'envie sexuelle. Partout où je suis, quel que soit l'endroit, s'il n'y avait pas de foule là, je m'arrangeais à me satisfaire et je continue mon chemin. Non. Comment tu gérais ça? Ah, ça y est. Quelqu'un. On dit pardon. Mais le boulot, quelqu'un doit. Quelqu'un demande pardon. Abadansia. Tu veux entendre? Madonna. Que je te dise. Je demande ça. Laisse ça comme ça. Acclame très fort Jésus. On parle d'amour Jésus. Quelqu'un dit pardon, faut le laisser. Quelqu'un doit do. Waouh. Donc, quel que soit l'endroit où l'envie te prend. Fini boudéa, t'es de bon autre. Tu fais tout pour te satisfaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et À cause de cela, j'ai eu 4 femmes, mais aucune d'entre elles n'est avec moi. Et je suis devenu célibataire. Et je continue ainsi. Voilà que quand tu as l'envie, tu te satisfais. Les Français disent la masturbation. Masturbation. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est terminé? Bon, c'est Dieu qui a fait son œuvre. Sinon, souvent, nous, même si nous sommes pas. Même dans la chambre, quand j'ai l'envie, cela fait que je ne manque pas de savon dans ma douche. Vous-même, vous savez, non? Je n'ai plus à l'expliquer. Waouh! Mais quand il a découvert porte de vie, la puissance de Dieu l'a libéré. Aujourd'hui, il ne fait plus ça. Acclame très fort Jésus. Plus fort. Ils sont pleins parmi nous.
Ils savent de quoi tu parles. Hein? Ils le savent, monsieur venu dire ma part déjà. Quand tu regardes la ronde, la maladie va demeurer là. Fais tout pour venir témoigner aussi. Ça passe. Mon troisième témoignage. Oui, mais l'argent, je trouve un peu d'argent. Mais nous, quand mon cœur. Et quand je trouve l'argent, si je fais l'effort de prendre deux verres d'alcool, je ne sais plus par où l'argent passe. Je ne vais pas vous leurrer, les gens disent qu'il n'y a rien ici, mais je vais vous dire que Dieu est réellement ici. Et ta raison, on ne parle pas de vie et lien. Octobre passé au Mbefi. J'ai connu Port de Vie il n'y a pas longtemps, c'était dans le mois d'octobre. Je venais un peu de temps après, je me suis inscrit pour le partenariat. Quand j'ai fait le partenariat, je suis rentré avec l'une des partenaires. Je n'arrivais pas à prier seul, mais depuis que j'ai commencé Port de Vie, maintenant j'arrive à prier seul la nuit. Quand j'ai fini de prier, j'ai pris l'huile et j'ai dit, Dieu du prophète François Xavier Alokpe, tu le fais à tout le monde et je l'apprends. J'ai confiance que tu feras aussi pour moi. J'ai déclaré, quand je vais boire cette huile des partenaires, à partir de ce jour, si je fais l'erreur de prendre de l'alcool, que je sens des maux de ventre. J'ai pris l'huile des partenaires aujourd'hui, le lendemain j'ai voulu essayer. Quand j'ai essayé, est-ce que vous avez déjà été châtié une fois? Je ne pouvais plus dormir. J'avais tellement les maux de ventre. J'ai dû informer mes proches, leur disant le vœu que j'ai fait à l'Éternel et ce que j'ai fait et ce qui s'en est suivi. Si je depuis ce jour, je n'ai plus envie de prendre de l'alcool. Même en marchant, si un esprit me dit, c'est seulement deux verres, une autre voix me dit encore, si tu penses cet argent, tu feras autre chose avec. C'est pour cela que je suis venu rendre grâce ce soir à Dieu. Et je dis gloire à son nom. Acclame encore très fort. Les bons au Père d'Aaron Jésus. L'heure de témoignage sur Pente TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Pente TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Akuchacha. Simandeji. Akuchacha. Simandeji. Akuchacha. Simandeji. Je m'appelle Agbozo Egbe Mat. Je viens d'Adunko. C'était pendant le réveil de 4 jours. Le problème qui m'a amené ici, c'est parce que j'avais perdu mon foyer. Bon, do wa finande wa fi mo. Mi bro mercredi, jeudi on wa, vendredi on wa, bon mi fo. Pendant le réveil le mercredi, j'étais là. Jeudi, je n'étais pas arrivé. Le vendredi, je suis venu. Mercredi la son go an wa mercredi la bi. Le mercredi, je ne manque plus, je viens. Bon wa mercredi do po. Bon papa do de roue. Bodo, de toi de boude do to mi ton ko ya lo no mi ton ko le o. Mi na ko de ma voni fanu ku e do pe gbo mi. Et l'homme de Dieu déclarait,
un mercredi de prier pour que les sorciers qui se trouvent dans la maison de notre père ou dans la maison de notre mère soient aveuglés spirituellement. Et qu'il les dévoile afin que nous les voyons. Et quand l'homme de Dieu a dit cela, je suis retourné à la maison. Le vendredi, j'étais parti au village pour un enterrement. Arrivé au village, l'un de mes neveux me disait, grand soeur, est-ce que tu sais que ta grand soeur est sorcière? Je lui ai dit, elle est sorcière, je ne savais pas. L'as-tu vu une fois dans tes sommeils? Tu ne savais pas qu'elle est sorcière. Après la prière, Dieu l'a dévoilée. Et il a commencé par délirer. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, j'ai dit, moi-même, j'irai là-bas voir ça avec mes deux yeux. Alors, tu as dit que tu iras voir la sorcière. Bon, il tombe, il donne des. J'étais partie là-bas et il m'a dit, ma soeur, depuis 4 mois, je suis couchée ici. C'est parce que je suis sorcière. Et je lui ai posé la question, es-tu sorcière? On a fait à base ici, dada. J'ai dit, tu as trouvé la sorcellerie où, grande soeur? Mais mito tagbanou est en main. Et elle m'a dit, on t'a trop dérangé. Elle a fait à rebond, non, d'un wa fil, wa don, domine, d'un aïe d'obé, mais des tio couleurs. Mais on m'a dit, domé. Aïe don, ma tijon, c'est quoi, ton jour, miko, blau et tambo, mitian, oui. Ben, coulo, midi. Et elle m'a posé la question, où vas-tu? Je lui ai dit que je vais dans la maison mortuaire. Et elle m'a dit, faut pas aller là-bas, on a déjà tout apprêté. On a tout fait là-bas. Arrivé là-bas, quand tu vas t'asseoir ou boire leurs eaux, tu mourras. Et je lui ai dit qu'on ne tue pas l'enfant de lion de la tribune de Judas. Je lui ai dit, est-ce qu'elle connaît la croix de Jésus? Que le marteau ma céleste va lui briser la tête. Elle a commencé par délirer soi disant, oui c'est vrai hein. Tel que je me suis maintenant, je ne me retrouve plus. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, je suis venu et pendant les 4 jours de réveil passé, Goliath doit mourir. Dis à ton voisin, Goliath doit mourir. Donne-nous la patte, Goliath donne un coup. Bon, à voir de mon coton. Et tu es venu à cette prière. Mercredi, jeudi, au vendredi. Quand j'ai prié le mercredi, le jeudi et le vendredi, dans la nuit de vendredi au samedi, ma maman m'a appelé pour me dire que ma grand-sœur sorcière qui se trouve au village est morte. La Goliath est tombée. Goliath est Ojaï. Acclame très fort Jésus. Pourquoi nous Jésus? L'heure de témoignage sur Pente TV. Témoignage qui révèle la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Sans mélange. Je m'appelle Gbetoro Nathalie. Je viens de Vedoko. Je venais à Port-de-Ville, mais il fut un temps où j'ai été au village. À mon retour du village, j'ai continué pas venu ici à partir du mois de mars. Le mois d'avril. Le réveil qu'on a fait dans ce mois-ci. Papa a déclaré mini bien l'homme étant les deux romains. Papa a déclaré poser vos mains sur le ventre. Quel que soit ce qui a été mis dans votre ventre ou n'importe quelle masse qui se trouve dans votre ventre. Qu'il ordonne que ces choses sortent de leur ventre.
que les gens auront leur menstrues. Oh, ça va être bon, mon glégbéti. J'étais ici encore à l'église et j'ai eu mes menstrues. Tu n'acclames pas. Akoro père, hein? Si tu n'es pas sorcier, faut acclamer. Et demande à Zéblavoir au père. Si on ne t'a pas revêtu du manteau de Goliath, il faut acclamer. Et demande à Goliath ton nom au père. Donc, comment à ce nom, oui, à Jacques-Libéré. Tu étais encore ici quand tu as eu tes menstrues. Si vous êtes mort à Bako. Depuis combien de temps tu avais perdu tes menstrues? Bako, mais non, wa, de kano wa no mi bon, et son nom wa moi, et wa, et non, blo deux jours, trois jours après, et non, douté. Ce n'est pas que je n'avais plus mes menstrues, les menstrues venaient, mais cela ne faisait pas le temps que cela devait faire. À peine deux jours, cela s'arrêtait. Bon, non, quidi. C'était sale. Mais lors de wa, et quidi, hein. Cette fois-ci, quand je l'ai eu, ce n'était plus sale. Et cela a fait 5 jours normalement. Mon second témoignage. Quand on a fini le réveil ici le dimanche. Le lundi, on m'a appelé de mon village. On m'a annoncé que ma grand-mère est morte. Hey, oh. Tu as dit ta grand-mère. Goliath. Elle est un Goliath. Goliath donusi, non pardonné métier. C'est un Goliath qui ne laissait pas passer, ne pardonnait personne. Donc elle est dans la maison et elle agissait. Bon, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est morte. Il paraît qu'elle s'était levée, elle est allée au champ. À son retour. La moto l'a renversé. Moto le wa gonjiton. Et une voiture est venue l'écraser. Ça fait deux coups. Nous aimé. Quelqu'un blé. La moto l'a renversé. Bon, moto wa gonjiton. Et maintenant une voiture l'a écrasé. Mais comment parlez-vous zéro morgue? Vous avez vu un peu pour mettre à la morgue? Eh, ben ouais. Ils l'ont ramassé. Fitons le pouvoir de Togo d'abord et ni madio d'abord et ni zéda et chobo et miniwa. L'un de ses enfants, le sérieux a dit de ne pas l'enterrer, de déposer qu'il va rentrer. Maman et Naudi. Sinon, on allait déjà l'enterrer. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Akariana au père d'Aronu Jésus. Ton Goliath va s'éclater dans la chambre. Goliath, tu dois nous ramener bon à où? Dis amen très fort. Libé d'ami. L'heure de témoignage sur Pente TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Pente TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Akuchacha. Simon Dedi. Akuchacha. Simon Dedi. Yo, you know, you are me the body Ziaou Denise. Je m'appelle Kwade Ziaou Denise. Ngosi Atrokokodi. Je viens d'Atrokokodi. Le Dieu de port de vie a fait une chose dans ma vie que je compte partager avec vous. Avant que je ne connaisse port de vie, c'est l'un des ouvriers de port de vie qui m'a fait connaître port de vie. Bon, on va faire de janvier aussi, puis pour dimanche, de la fini, et on va faire. J'étais venu à la fin du mois de janvier. Bon. Et voilà, même bon, nous on a déjà été à Podo à Wakwa Fokponmi. Je sentais que la chose allait paralyser un côté. Bon, mais il va y d'autres, oui, mais non, bleu massage, les gants. Nous sommes allés voir ceux qui font les massages. Bon, et voilà, on a mis bon, on a un bon micro. Ils m'ont soigné, ils ont pressé les médicaments qu'on a achetés. Micro, tu vois, et bon, mais. Malgré cela, le mal n'était pas guéri. Bon, dimanche, Un dimanche, mon mari m'a demandé est-ce qu'on ira là-bas. Je lui ai dit non. Parce qu'on me parlait déjà de port de vie, mais il y a quelque chose qui m'avait fermé les oreilles. Je refusais de venir ici. Bon, moi, fille, dimanche. J'étais venu ici ce dimanche. Bon, c'est, oui,
J'ai pris les papiers qu'on m'a donnés à l'hôpital. Je l'ai mis au niveau de mon épaule. J'étais assise au milieu là-bas. Papa est venu, il m'a impacté. J'étais tombée sous l'onction. Depuis ce jour jusqu'à présent, je n'ai plus revu ce mal. Le réveil de ce mois, je suis jumelle. C'est un homme. Je l'ai mis en apprentissage. Je travaillais avec lui dans le même service quand je me suis dit non, je vais arrêter ce travail et aller commencer par faire un commerce. Bon, why? J'ai quitté. J'ai commencé par vendre. Je n'ai pas de mari. Et partout où je vais, cela n'allait pas. Et tout s'était gâté dans ma vie. Je ne restais pas dans la chambre d'un homme. Même enfanté était devenu un problème pour moi. Difficilement, j'ai épousé celui avec qui je suis maintenant. Quand je l'ai épousé, mon mari a pris des boissons, nous sommes allés voir. Nous avons amené les boissons chez mon second. C'est son second qui va prendre la dot. Est-ce qu'il a pris les boissons? Quand on a amené les boissons, il a seulement pris le soda qui était dedans. Il a dit de partir avec les autres, que comme il a vu mon mari, il a déjà apprécié. Que après on ira au village. Après que je sois avec mon mari faisait des rêves et voyait mon second dans le rêve et il lui disait, tu ne vas jamais épouser ma seconde, sinon je vais te faire du mal. J'ai fait un enfant qui a maintenant 11 ans. Quand je tombe enceinte, je fais des fausses couches et je suis allé le voir. Je lui ai dit, vous avez lié dans l'Iroko, vous l'avez lié devant les fétiches, mais l'éternel Dieu peut le faire. Il a demandé à ce que j'achète certaines choses de lui amener qu'il allait prier pour moi. We go to your... Ton second, j'ai dit non, je ne vais pas prendre ces choses. Après cela, il est venu me voir disant, ma soeur, ce que j'ai dans mon ventre, c'est tellement beaucoup. Si tu étais un homme, j'allais te donner aussi. Moi-même là, je noue les tissus blancs, je vais dans les rocos. Il disait, je me noue un petit pain, je vais à Révier, je parle à un arbre, l'arbre s'ouvre et je rentrais dedans. Il te le révélait physiquement ici. Voilà qu'il est devenu Goliath. Après la prière de ces 4 jours du réveil, quand on priait ici, j'ai commencé par dire, quel que soit celui qui est mon Goliath, si c'est ma mère qu'elle meurt, si c'est mon frère qu'il meurt, j'ai cité tout le monde, j'ai même cité le nom de mon second. Lundi, ma sen ou badira, kalozin bache dota, no viche loko do wome. Bueno, dada, nedo chicha, we ado si se wada patwe, we got we chai boku, we kose imongu. Goliath est tombé. Goliath est jai.
Ça y est. Ça y est. C'est rapide, hein? Et y a ta ouais, mais cha cha cha. Et le lundi matin, je m'apprêtais à aller vendre quand l'une de mes soeurs m'a appelé disant: grand Dieu, ce qui se passe, tu n'es pas au courant. Ton frère, il est tombé, il est mort. On l'a déjà amené à la morgue. Ne vous amusez pas avec un port de vie, car Dieu est réellement ici et il a déposé sa puissance sur son serviteur, et quand il le dit, cela arrive. Quand tu as appris la nouvelle, cela t'a fait comment? C'est pas vrai. Quand j'ai appris la nouvelle, mon mari a dit ce n'est pas vrai. Et mon mari m'a dit, je vais t'amener, on ira vérifier. J'ai même arrivé là-bas, je ne vais pas rentrer dans la maison. Je vais rester loin, appeler les gens de la maison pour m'informer. Avant que je n'entre dans l'avant, les enfants pleuraient et étaient venus me rencontrer. Il a laissé des petits enfants, il y en a même qui étaient encore au lait. J'ai dit, ne pleurez pas, je vais vous garder. Regardez ça. Tu as dit que tu vas les garder. Je rends grâce à Dieu parce que je suis chrétienne depuis 24 ans, mais je n'ai jamais expérimenté ces genres de choses. Je remercie aussi Dieu pour la vie de l'homme de Dieu et que le Seigneur le fortifie, lui, son épouse et ses enfants. Quand il le dit, cela arrive. Wow, lève-toi, acclame très fort Jésus. L'heure de témoignage sur Pente TV. Voyage et révèle la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivant.